vaisseau. Alors ça, je pensais ne jamais revoir un humain. Comment diable avez-vous atterri ici? Dans ce monde, je veux dire. Ah, ça signifie que le service a des problèmes. Hélène ne serait jamais assez stupide pour activer ce machin sans une bonne raison. Mais pourquoi auriez-vous besoin de moi? Un endroit rouillé. Vous voulez dire le service 17. Mais pourquoi diable voudriez-vous y aller? Oh, grand Dieu. Morgriff est la source. Et le rêveur d'Asgard était le portail. Le travail de toute une vie. Je me dois de vous prévenir. C'est une voie périlleuse que vous empruntez. Mais qui sait? Peut-être réussirez-vous là où j'ai échoué. Comment puis-je vous aider? Oui, je sais comment entrer. Il y a un miroir dans le service 13. Pas là où se trouvent les survivants. Dans les sous-sols, enfermés. Ce miroir est comme un passage vers les autres services. Tenez, voilà la clé qui vous permettra de débloquer l'ordinateur connecté au miroir. Ah oui, bien sûr. Vous savez où est mon bureau, pas vrai? Il y a une carte magnétique permettant d'entrer dans le service sur la table. C'est ça. Elle vous permettra d'entrer dans les entrailles du service 13. Descendez au dernier niveau de la base et servez-vous-en pour déverrouiller la porte. Non. C'est vous que je dois remercier. Pour la première fois depuis très longtemps, vous m'avez redonné de l'espoir.
Content de vous revoir.
Une fois encore, les enfants du cœur pensent pouvoir changer l'inévitable. Ils ne voient pas la vérité, la futilité de leurs actions. Nous apportons la pureté au chaos, la sérénité au tourment. Tout sera consumé. Cela est nécessaire et bénéfique. Les enfants ne comprennent pas. Les enfants pensent que leur vie valent d'être vécue. Les enfants se trompent. Les mondes et le cœur des mondes vivent dans la douleur, l'agonie, la discorde. Nous apportons la paix, l'équité, le silence. Tous ne font qu'un dans notre étreinte. Les enfants résistent à ce qui est irrésistible. Ils livrent une bataille qui ne peut être gagnée. Leurs actions n'ont pas la moindre importance. Ils peuvent s'y opposer encore et encore. À chaque fois, ils seront détruits. Nous les consumons.